J'avais fait un top 10 des pires pseudo Xbox Live. Et sur cette information, je vous dis bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure iRacing. On est de retour à Spa avec la Formule Renault 2 litres. On va voir si on peut s'en tirer un petit peu mieux que la dernière fois où on avait été pris dans un carnage monumental au départ. Le safety rating a pris tellement cher depuis. On est passé par de la Pro Mazda et on a fait 500 mètres, vous l'avez vu sur Facebook. On est toujours avec Emeric et Andy. Hola. Bonsoir à tous. On est dans la même session qu'Andy, mais Emeric, je pense, est parti dans le split au-dessus parce qu'il est en classe A. Il est, à mon avis, un peu plus coté que nous. Avec Andy, on est en classe B, classe C, comme des bolos. Je suis pas un tyran. Moi tous. Je suis pas un tyran. Non mais t'es au-dessus je pense quand on fait les splits, c'est clair. Oh je sais pas. Mais je m'en vante pas comme ça. Ah là là. Mais est-ce que ne pas s'inventer c'est aussi s'inventer? C'est le mec. Droit de réponse, bonsoir. C'est le mec t'es la question. Appelons Michel Polak pour tenir les débats. Donc on est en qualif sur le circuit de Spa. Pour ma part, j'ai opté pour un très joli skin à rose. Et moi, je suis tout orange vêtu. Vas-y, Andy. Moi, je suis parti sur un skin Andy Wicker. Donc voilà. Ah, moi, je suis parti sur celui que tu avais parlé tout à l'heure de Leclerc, qui me plaît très bien. Yep, il est très joli. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, ou en tout cas une des vidéos précédentes, dans cette aventure iRacing. Alors on va profiter de la semaine Spa-Francorchamps, hein, que ça soit en Porsche Cup ou en Formule Renault, on va peut-être détruire notre on roule sur notre rating, mais on va rentabiliser le circuit parce qu'on l'a payé, comme tout le reste d'ailleurs. Mais là, la Formule Renault sur Spa, c'était un combo que j'attendais depuis longtemps, donc à mon avis, d'ailleurs Emeric a d'ailleurs acheté la voiture pour le combo, ouais, il est plutôt content, hein, toi qui n'étais pas fan de monoplace à la base. Bah, c'est pas que je suis pas fan, c'est que ça me réussit jamais. Les open wheels, c'est une catastrophe, et ça me plaît bien. Je la trouve beaucoup plus sympa que la Pro Mazda par exemple. C'est pas techniquement la même génération de voiture au niveau d'e-racing. La Formule Renault 2 litres est sortie l'année dernière, je crois, alors que la Pro Mazda est une des premières voitures qui est sortie aussi. Est-ce que la Pro Mazda est sortie avant la Skip, ou la Skip c'était vraiment la toute première monoplace? Je crois que la Pro Mazda est sortie avant, de souvenir, hein, mais Ah ouais, donc vraiment elle est loin, elle est très très loin. Est-ce que vous avez entendu le spotter? Là ça non. Va, non. Ok, j'ai trouvé c'était pourquoi. Dans le jeu en fait il était par défaut et non dans mon casque. Mais je prends un off-track au speaker corner, mais lol. Donc dites-moi si jamais vous l'entendez. Non, non, trop serré. Pour l'instant on a rien, Emeric. Ça à l'intérieur. Bon, de nouveau, je suis tombé dans le groupe des nuls, hein, puisque j'ai le numéro 1. J'ai le numéro 3, je me sens très offensé par ta... Bon, à la base, c'était un compliment. Hein. Oui, à la base, t'aurais été un jardinier, moi aussi, d'ailleurs. Ouais, formidable. Bonjour à tous. Voilà, c'était une imitation de Jackie X absolument honteuse. Abonnez-vous en plus d'imitation de pilotes de Formule 1. Je suis... 16, P16. Tout de suite, Kimi Raikkonen. Bon, voilà. Pas si mal. Excuse-moi, je suis un peu en tour qualif. Moi aussi. Mais bon, ah, c'est pas mal. Oh, ding. Je confirme que c'est mieux que le volant F1 que le volant T300 d'origine. Moi, je tourne pas. Avec le 599 et c'est pas mal. Hein. Bah, pourquoi je dis T300, c'est celui avec lequel je tournais avec la Porsche Cup. Yep. Et pour la monoplace, c'est pas un chien, c'est mieux. Je comprends pas comment j'ai pas pris un off-track ici. Du coup, moi, je vais avoir un seul tour lancé. Un seul tour de qualif. Ah, je suis déçu de pas être avec vous, putain. Et ouais, c'est ça d'être en A. Soit avec les mauvais, comme nous. Et avec les prolétaires.
Oh, le mec est au-dessus de tout le monde. Et la première, elle est pas passée à la source, fait chier. Ouais, faut vraiment bien ralentir. Le petit coup de gaz, changement de rapport, ça marche bien. Ah, comme avec la Porsche. C'est le même principe, ouais. Allez, on est placé P8. Vous l'avez pas entendu? Non, on a rien. Ah, mais parfait, j'ai trouvé. J'ai très large à Bruxelles. Là, le mec il a hurlé one lap. Je poserai ma question quand on sera sur la grille de départ. J'ai eu très très peur à mon raccordement. Alors sur le setup, Max, après tu rajoutes au lieu 4 à l'arrière, tu mets 5. Pour l'aileron arrière sur le setup. Pourquoi? Ça tient beaucoup mieux. Mais moi j'ai pas autant de pertes derrière que toi. Hein. Putain, c'est ouf. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre de la voiture. Partout où elle doit passer à fond, elle passe à fond. Ah, et sans broncher. Ça bouge du cul aussi. Enfin, j'attaque trop fort. Oui, c'est pas possible que tu attaques comme il faut et que moi j'attaque pas assez pour qu'elle perde du cul. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et quand tu rentres dans le bus-stop avec 2 dixièmes d'avance, que tu ressors avec 8 centièmes de retard, c'est cool. Et on sera donc 9ème sur la grille de départ. Deux tours assez calmes. J'ai pas beaucoup parlé évidemment, comme j'en ai l'habitude en qualif. On essaie d'être assez concentré. Attends, j'y vais dans la voiture. Bouton fire. Au-dessus, où est-ce que tu vois ça? Au-dessus il y a un bouton et j'arrive pas à lire ce qui est marqué. Attendez pas les mecs qui parlent. Non. Un petit peu. Ah, no. Alors là, il y a no quelque chose. Ah, c'est ça. J'avais compris no wait, mais... Alors là, honnêtement, si vous savez ce que c'est, no ouais, five peut-être. Faudrait que j'aille voir mes photos de Renault Delite quand j'étais à Spa. Celui qui sait, s'il a l'info, ce serait cool. Donc du coup, non, c'est bon, vous n'entendez plus les spotters ni rien normalement. J'espère. Yep. Bon, on est parti pour 13 tours de course, ça va être long, hein, je peux vous le dire. Mais on est parti pour quoi? Peut-être 30 minutes de course. Bref, enlever le changement de pneu tout le tintouin. Ah oui. Merci Emric. Ah maintenant j'y pense à chaque fois au départ. Ah merde, putain, départ. Allez. Il a tout pensé sauf le départ. Bonne course. Bonne course, nous il manque encore des gens. Hein. Ouais. Là vous l'avez pas entendu? Non, ça va. Ok. C'est là ou là? Nous, notre session, elle est plus lente parce qu'on est en speed 2, je crois. C'est vu qu'on est plus lent, tout est plus lent. Mais c'est bon, il y a 400 arroses sur la grille. Moi, j'ai... Coup, c'est skin orange. J'ai une Jaguar devant moi et une orange aussi, mais c'est pas une arrose. Manor derrière moi. Bon, écoutez, on va essayer de survivre au Rédillon. Ça n'a pas été... Ah, moi, c'est passé, j'ai gagné 2 places, là, au départ. Allez, procédure pour nous. Bonne chance, Andy. Allez, man. Bonne chance. Green, green, green. La troisième est pas passée. Départ extrêmement propre. On est à mon avis, ça va commencer.
Oh là là. On dit qu'au milieu du jeu de qui, littéralement. Ah, mais je perds des places, ça se fait parce que j'ai dû perdre un petit peu de temps au Rédillon, malheureusement. Slow car ahead. Attention, c'est parti. C'est parti. Ça sort. On va normalement gagner une place parce que le premier devrait prendre un stop and go pour jumpstart. Ah, moi j'ai à Bruxelles le mec a écarté, je me suis dit plongé dedans, il est revenu sur moi, il est parti en tête à queue, j'ai été fairplay, je l'ai attendu. J'ai pas voulu faire mon salaud. Ah, je suis content, oh là là. Pas de soucis là. Left side. Clear on the left. Ah, le transfert a été très très chaud au niveau du pif paf. Cette caisse est absolument monumentale. Il faut avoir beaucoup roulé aussi avec la McLaren MP430. Franchement, cette Formule Renault 2 litres, elle est excellente. Kick to the left. Attends, j'attaque à Blanchimont. Still there, clear, right side. You're in the middle, three wide. Oh, three wide, un blanchiment. Ouh, ça, stay on the c'est left. Sorti au Rédillon. Oh, ça tapait fort. Keep to the left. Oh là là, clear on the right. Tapé, mais... Sorry about that. Mais c'était hot as hell, comme on dit dans le métier. Je suis content qu'on... Oh, pas ça le... sort à la source. Je suis content que vous entendez pas ma session parce que ça y va les insultes là. J'ai peur que le mec devant prenne pas de pénalité pour son jump start. Je vais pas te mentir hein, c'est la folie ici hein. C'est plus calme là, c'est plus calme devant quand même. Putain, et pourtant je push comme un ouf. Mais c'est calme de quoi mec, ici c'est la folie dans le peloton. Ouais, je suis deuxième, c'est le mec. Et de la 7 à la 12ème place, c'est Armageddon. Je prends mon pied. Ça se bagarre. Toute la jambe là. Faudrait que ce soit la 11ème chose. Billy Monger aussi. Ah, c'est du roue contre roue dans Bruxelles là devant. Vous connaissez ma technique, hein, la force tranquille. Qui est une technique de lavette, hein, comme on dit dans le métier. Ah non, c'est intelligent, pas pareil. Dis le mec qui a inventé la technique. Ah, moi c'est la technique du vieux. Moi j'ai la technique de j'attaque comme un ouf et je perds mon SR. Oh, ils sont chauds. Ah, c'est une belle course là. Bah écoute, ici aussi, je vais te dire. Il y en a dans tous les sens. Right side. Still there. Hold your line. Stay on the left. Je reviens sur un groupe là, c'est... Keep digging. Je préfère soulager dans Blanchimont, ne me jugez pas. You got a slow car on the left, right side. Keep to the left. Je crois que tu ne la connais même pas. T'es déjà en train de la juger. Car right. Still there. Ah, je suis content, vous entendez plus spotter. Hein. Putain. Still there. Allez, le premier entre-box. Clear on the right. Et je me prends un x4 à cause d'un trou du cul qui ne s'est pas freiné à la source. Franchement quoi, te prendre un x4 alors que tu te fais rentrer dans le cul quoi. Ah, ça c'est un truc. Ouais. Et me dites pas en commentaire que j'étais trop lent. Hein. Je prenais la source, c'est 80 pour tout le monde, hein. C'est le même tarif. Et là franchement c'est cher payé, j'ai rien demandé à personne. La voiture est comment? Ça a l'air d'aller.
4 ça va encore, c'est pas grand, c'est pas méchant. C'est quand tu arrives à 7, ça commence à faire mal. Mais j'ai eu des turbulences et j'ai surtout perdu beaucoup de temps. J'ai un peu de turbulence au freinage, la voiture a perdu un peu de stabilité, je crois que l'aileron arrière a un petit peu morflé. Ça, je peux pas le voir d'où je suis pour le moment, les amis, vous le verrez peut-être à la vue TV, mais de ma vue à moi, c'est compliqué. Oh, ce x4 inutile, je suis vraiment énervé sur ce genre de choses. Mais bon, c'est pas la mort non plus. Ma vie, c'est une course où il peut encore se passer beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien revenir sur le groupe devant là. Je suis à quoi ? Seconde 7. Ah, je passe P11. Moi, mon objectif à chaque fois c'est top 10. You're in the top 10. You got 10 laps to go. Allez, on est 9ème. Andy, t'en es où toi ? Premier. GG. Ah, GG. J'aurais tellement voulu être avec vous. Bon, l'aileron arrière sur 5 Emmerich, c'est une bonne chose, yep. Mais ça change bien le style de la voiture, c'est peut-être un détail, mais ça change un peu le style. Putain, moi, le mec devant, il a chopé le... la speed du mec devant, donc je peux plus le rattraper. Ah, ici, c'est très très serré devant moi. Le 7 et 8ème, ça s'est changé de position. Là, ce qui est cool, c'est que le rayon ça bouge plus quoi, c'est bien à fond. Je pourrais presque le passer en 7ème, je reste encore en sous-régime, mais je pourrais presque le passer en 7ème le rayon. Ah, moi, par contre, le bus stop c'est en 2ème maintenant. Stop. Ah ouais, non, combien tout. Ça se touche devant moi dans la descente, c'est rush quoi. Côte à côte pour le Rédillon, ça va être chaud. Ah, le speaker corner il me fait flipper. Car right. Still there, hold your line. Clear on the right. Petite
petit tire-off enlevé. Moi, ils sont beaucoup trop forts pour moi dans ce salon. Oh là, la connexion a pris un coup chez moi. Je crois que ça vient de moi parce qu'ils ont tous les deux sauté en même temps. Putain, mais ils ont la spi, moi je l'ai pas, mais chier. Oh là là, elle est chaude celle-là. Car arrive. Clear. Alors, on a ralenti dans le camion. Car stop on the left. Car right. Keep to the left. Clear on the right. Oh! Oh la 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 la! Oh la 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 la! Car on your left. Clear. J'ai pas osé y aller, le garçon est tellement indécis. Slow car ahead, go left. Right side. Stay on the left. Clear. Le dévantage. Car on your left. Still there. Hold your line. Clear on the left. You're on the right. Three wide. Clear. Je me suis fait harponner. Clear. Ah, merde. Thanks for the crash. Really, really helpful. Ouais, elle part du cul quand je freine. Chier. Putain, faites que mon aileron n'ait rien. Faites que mon aileron n'ait rien. Alors, je suis pas du tout à discuter de ça, mais j'ai perdu énormément de vitesse, comme la course précédente. Et je me suis encore fait avoir, je crois, dans l'aventure. En tout cas, mon aileron arrière a souffert avec la voiture qui m'a escaladé dessus. Car stop on the left. Voilà, il y a des voitures un peu partout, ça commence à être n'importe quoi, c'était très propre jusque-là. Là, ça se complique un peu, on a été au contact, il y a une voiture qui nous a littéralement décollé sur l'aileron arrière. Je suis plus à l'aise comme tout à l'heure, j'espère qu'au niveau du radion, ça va passer. Quelle bagarre, quelle course pour le moment, sans doute... l'une des plus indécises. Allez, on va essayer, tant pis. C'est maintenant qu'on saura si la voiture n'a rien. Ouais, ça glisse un peu dans le raidillon, mais c'est passable en 7ème. On est très bien. On est 11ème. On a quitté le top 10, mais on a eu un tour très très chaud. C'est très intense en tout cas comme course, même si on n'est pas en tête, c'est très très chaud. C'est intense aussi en tête. Je te l'assure. Mais la voiture est touchée, hein. La voiture est touchée de l'aileron arrière, j'ai beaucoup moins de stabilité. Ça c'est clair et net. Eh
Et moi j'ai deux mecs devant, enfin trois mecs devant, mais j'ai pas assez pour la speed, putain. Je suis plus rapide qu'eux, mais dès qu'il y a un bout de droit, il me... Et là c'est terrible parce que quand vous avez 100% confiance en la voiture et qu'on vous rentre dedans, tout devient incertain. Ah, je me suis fait monter comme une jument là, c'est ouf. Belle image. Allez, j'ai l'aspi pour le Raidion. Je sais qu'au Raidion à chaque fois il relâche. Et je pense que sans Emeric et la technique qui m'aurait mis un peu plus d'appui, j'aurais déjà perdu, je pense, plusieurs fois la voiture. Donc, très bon call. Mais regardez, regardez, je suis à 225, il manque 5 km/h. Et à Blanchimont, c'est énorme, 5 km/h. Parvient à se défendre, mais on n'a plus la même arme que nos petits camarades. You got a slow car on the left. Car stopped on the left. Car on your left. Clear on the left. Il y a eu du dégât au bus stop. Car right. Ah, moi j'ai pris boucler de devant ce bagarre. Stay on the left. Still there. Hold your line. Clear. Je dois de la perdre. Je dois le laisser passer. Regardez, il manque. Ouais, je suis à 224, 225. Je peux rien faire. Je suis vraiment, vraiment déçu. Et là, j'ai plus la même voiture que mes petits camarades. Non, attendez-moi. Ils s'attaquent à Blanchimont les deux là. Ah, on était tri-wide à Blanchimont au départ, c'était chaud. Hein. La chance de pas avoir pris le off-track sur ce coup là. C'est dans le mur, c'est dans le mur pour le garçon qui était devant nous. Récupère la 10e place. Quelle course! Il va rester 5 tours après celle-ci. Moi, cette boucle. Je suis plus rapide qu'eux, mais en ligne droite, ils sont à 3 à se faire la queue leu-leu. Ouais, ça aide, hein. Évidemment, le draft. Ah, au con, je reviens comme une balle, mais... Je pense que devant on joue à la manette. Vu les coups de roue. You've got 5 laps to go. Allez, il faut grappiller du temps. On est toujours 11e. Je croyais qu'on était rentré dans le top 10 avec le dépassement, mais non. Allez, un top 10, ce serait bien, vraiment, après cette superbe course. Qui est loin d'être terminée. Parfait, l'aspi. Parfait, parfait, parfait. On va finir à 4. Allez, faut essayer de terminer devant tes mousquetaires. Andy toujours en tête.
Non, troisième. Allez, c'est bien quand même. Retour très propre d'un mec là, je sais pas si c'est son pseudo, Michel Mullen. L'intérieur à la source, incroyable! Je suis P9, j'ai gagné deux places. Et j'aimerais bien aller chercher cette dixième position. Je crains de manquer de temps. Combien de temps? Il reste, je crois, 5 tours. Ouais, il me reste 3 tours. 4 tours après celui-ci, Andy. On est à la 9ème des 13 boucles ici à Spa. Mais c'est sans doute la plus belle course que j'ai eue jusque-là sur iRacing, honnêtement. On en parlera après, mais pour l'instant, c'est très très bien. Mahmoud qui est devant, qui prend la parole assez régulièrement. À mon avis, ça doit toucher en tête. Hein. Ça doit être très très chaud. Je sais pas si derrière on m'a touché au niveau de la boîte de vitesse quand on m'a escaladé. Je sais pas si ça joue vraiment sur l'état de la mécanique, mais j'ai du mal de descendre certains rapports. Speaker corner, j'ai du mal. Il peut s'en passer des choses. Je suis désolé, je soulage dans le raidillon, mais tant que ça passe comme ça, ça passera comme ça, peu importe. Qu'est-ce que la voiture commence à survirer, c'est incroyable. Moi ça se bagarre derrière, devant, je suis pris entre deux feux. Soit je peux passer 6ème, soit je peux passer 12ème quoi, c'est... Attention parce que devant, ça peut y aller à tout moment. Et on a un top 10 à récupérer. Si les deux devant font des bêtises, tant que ça ne revient pas sur le coin du casque, c'est tant mieux. Et le garçon qui très sportivement laisse passer, merci beaucoup. Franchement, respect monsieur Jonathan qui est français. Respect Jonathan, merci. Québécois, pardon. Clear. Car right. Stay on the left. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'extérieur au pif paf? Magnifique! Clear. On vient de faire l'extérieur au pif paf, messieurs. Superbe. Allez, on continue. Quelle course, honnêtement. Superbe. Attention parce que Louise derrière. Allez. 3 tours, il va nous rester 3 tours. Slow car ahead, car stopped ahead. Go left. Et on a bien fait de vérifier parce qu'il y avait une voiture à l'arrêt. You're in the top 10. Messieurs, nous sommes remontés au 7ème rang. Avec derrière nous Luis Goncalves qu'on a déjà croisé en ligne. Hein. Luis qui... nous remonte. Croyez bien qu'on ne va pas tenter de résister à tout prix. On revient déjà très très loin. Un tout petit peu trop surconvié malheureusement, j'ai perdu la voiture. Ah, il a été sorti où? Mais non! Un petit attaque à... Ok. C'est pour avoir un peu l'écart où t'étais. It's not fair, it's... Putain, allez, fini, la course est finie. It's not fair.
Bon bah voilà, qu'on se niquait. À la source, oh, bus stop, pardon, il me pulvérise. Attends, parce qu'ici c'est chaud pour nous encore. Ouais, pareil. Là, on est en train de vivre une très très belle course. On comprend tellement Emeric, sincèrement, moi me faire foutre dehors à deux tours de la fin tout à l'heure avec la Porsche. Dernier tour là. Vous ne l'avez pas vu, mais je comprends tout à fait sa frustration. On la partage, on l'a vécu. Ah, 30 secondes de préparation. Alors, dernier. Je passe de 6ème à dernier. Va-t-on résister face à Luis Goncalves qui a l'air d'avoir fait une faute ? En tout cas, il est remonté à 2 secondes 5. Et on l'entame pour l'avant-dernière fois. Oh, mon moteur, il s'éteint, c'est normal. La descente vers le raidillon. Oh, je suis tellement dégoûté. C'était super, ça faisait une belle bagarre. Le mec il avait pas de niveau sans être méchant parce que tout le monde mettait tous à l'amende. Il a voulu faire un freinage suicidaire, il a tapé 3 voitures. Dommage. Ouais, j'ai la voiture qui tire à droite. Alors, ils m'ont réparé la voiture mais elle tire encore à droite, c'est normal. You got about 5 laps of fuel left. Je sais pas. Ça glisse, Andy. Putain. C'est ouf. Là, on a vraiment un grip qui a changé sur la piste. Depuis 2 tours, 3 tours, là, c'est... Ah, je pense que ça vient de plusieurs des pneus aussi. Hein. Ouais, c'est très très différent. Sur les freinages que sur les accélérations. Une fois de plus, je me répète, mais l'idée d'un peu plus d'appui à l'arrière m'a sauvé ma course, vraiment. J'y croyais pas trop, j'ai écouté Emeric, j'ai bien fait, merci beaucoup. T'auras au moins sauvé ça de la course. Ouais. C'est bon setup. Qui est pas ouf, hein, mais je vous montrerai d'ailleurs à la fin. Ça recommence. White flag, one more lap to go. Drapeau blanc. On y est bientôt, on est à Blanchimont, il va rester une boucle. On est à quoi ? 8 km, 9 km peut-être de la délivrance. Et on a 4 secondes sur Luis Goncalves. C'est bon, c'est très très bon. Goncalves, puisqu'il y a une CDI, pardon. Écoutez, j'ai pas le temps de tout voir non plus. Hein. Ah, et c'est Marc Bartholomew qui est maintenant derrière nous à 4 secondes 4. White flag, drapeau blanc, dernier tour de course ici à Spa. Le Raidillon en sixième avec un train arrière plus que fébrile. Ah ouais, et Goncalves qui est rentré au box. 3 secondes 6. Ah, il remonte fort, hein, Marc. 3 secondes en un tour, ça devrait être largement tenable. Oh, c'est qui ce Goliot là ? Je vais choper son... secondes pour Marc, c'est bon, c'est très très bon. On va ramener à la maison sans doute une 7ème place. Allez, 10 secondes maintenant et c'est Jonathan
Proto qui se retrouve derrière nous maintenant, le garçon qui s'est très élégamment écarté tout à l'heure. Blanchimon pour la dernière fois. Cliff Norton, you not fair. Not fair. Not good race. Oh, on a failli se mettre de temps à Blanchimon au dernier passage avec le fond plat sur le vibreur. Incroyable. You don't break, you push me. Not fair. Et voilà le dernier freinage de cette course, le bus stop. No, just open your eyes, just. Et voilà, c'est fait. Septième position, mais putain que c'était bon. Quelle bonne course. Quelle bonne course, sincèrement. All right, there's the checkered flag. Magnifique course. Andy, tu fais combien? Really well. P3. Bravo. Course sympa, mais j'ai très très mal géré mes pneus arrière sur la fin de course et malheureusement j'ai fait un tête à queue. Du coup, bah, P3 au lieu de P1, c'est un peu dommage, mais bon. Très fun, très 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 fun une très très bonne qualité en piste, très 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 fun. Bagarre pendant 7 tours non-stop, A3, A4, c'était magnifique. Je vais juste dire un mot dans le chat, si je peux avoir le vocal. Just. Just one word to Jonathan, thank you, merci, awesome fair driving, awesome driving, incroyable pilotage, merci beaucoup. Voilà, je voulais juste dire à Jonathan merci beaucoup parce qu'il s'est écarté vraiment et il nous a laissé passer tous les deux parce qu'il était moins rapide et voilà, c'était vraiment très propre. Voilà, Jonathan qui dit merci. Je savais que mon moteur allait plus, donc j'ai laissé passer beaucoup. Bah merci beaucoup Jonathan, très fair play de ta part. Vraiment, vraiment très fair play. Tout le monde n'est pas comme ça et c'est rare. Merci à toi. Voilà, je voulais juste remercier ce garçon parce que nous, quand on le fait, on a souvent des merci, etc. Donc c'est normal que quand ça nous arrive aussi, bah voilà, on ait le soin de remercier. Donc une très belle course, honnêtement. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette course. Si jamais vous étiez parmi... les personnes en piste, parce qu'il y a quelques noms qui m'étaient pas inconnus. Bravo à Andy pour sa troisième place aussi. Ouais, je vais essayer de mettre, si j'y arrive, je vais essayer de mettre ma vue de mon côté, comme ça vous aurez de la double. Ok, super, formidable. Si on peut t'avoir, ce sera encore mieux. On mettra le lien dans la description quand ça sortira. En tout cas, voilà, vous avez vu le contraste, c'est ça aussi iRacing. On a passé une soirée de merde, on va pas se mentir. On a perdu beaucoup de temps, on a été beaucoup mis dehors. Je vous ai partagé des choses aussi sur Facebook. Absolument atroce et le résultat il est là, c'est que sur une course tout peut bien se passer à quelques centimètres près, on peut avoir des coups de roue. Bon, je me suis fait escalader, hein. Je le mettrai certainement au ralenti, mais on m'a monté dessus dans le pif paf, c'était assez flippant. J'ai cru que la course était terminée, mais j'ai pu garder les ronds. Donc voilà, quand ça se passe mal, c'est rageant, mais quand ça se passe bien, il faut aussi le dire, et cette fois-ci, eh bien ça s'est très bien passé. Une pensée quand même à Emeric. Qui a eu très difficile. Bah non, c'était bon, on était à 4, c'était super beau. Et puis il y a un cinquième qu'on a rattrapé qui était super lent et qui a voulu résister au-dessus. C'est bon. Voilà. Bah ça peut pas toujours bien se passer, je comprends très bien ce qu'il a vécu parce qu'on a pris aussi avec Andy pas mal pendant les courses précédentes alors qu'on avait rien demandé à personne. Et bien écoutez messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette nouvelle ce nouvel épisode de cette aventure iRacing. Merci à tous et si ça vous a plu, bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. En tout cas pour ma part, sans trop m'avancer, je peux vous dire que jusque là c'est ma plus belle course sur iRacing, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir et je suis heureux de vous l'avoir enregistré. Voilà, mais messieurs, un dernier mot peut-être? Go Porsche Cup. Eh ben go Porsche Cup alors. Merci à tous, à la prochaine, et d'ici là, bon amusement sur votre simu favorite. À la prochaine, salut. Ciao.